en VIH-Sida vers l'année 2030. Avec un taux qui t'a estimé 2%. Ça veut dire en pile effort fait jeudi à la dans le monde pour garder comment capable de baisser sans driller et chaîne de transmission maladie sexuellement transmissible surtout VIH puisque jeudi à la et ils font pile effort pour capable de médicaments avec des monde qui ont même touché et infecté avec virus VIH sida. L'autre information. On a toujours été réaction sur décision président Joe Biden prêt pour un nouveau hémisphère dans le pays d'Haïti. Une opération tête ensemble qui minimisait décision ça. Ben porte-parole c'est Abel de Conifer quoi CP États-Unis qui premier handicap à solution crise là façon l'a soutenir Ariel Henry sous pouvoir. Ces députés a fait connait situation vienne plus compliquée à cause de quand tête calé a gommé pour contrôle pouvoir pendant population continue à souffrir. Venelisio contre les plusieurs boîtes d'État pendant Ariel Henry gagne un bon parti tout dans l'État nan non Michel Martelly d'après Abel Descolines qui était dans micro malé samedi. Les États-Unis li toujours fait preuve de on politique qui pas dans intérêt nous. Et c'est ça que j'appelle la diplomatie de l'usure. Vous l'avez dit, c'est comme si gon énième émissaire qui pourrait arriver pour faire croire. OK, pour faire croire, c'est que faut te venir, il fait plusieurs voyages, il tendé, il retourner, l'autre monde vient encore, yo dou yo vient retourner, yo voulait une solution à l'haïtienne. Alors que premier handicap dans la résolution de la crise haïtienne, c'est les États-Unis puisque la réalité nous connaît et solution haïtienne, yo di ap tan nan, faut que c'est une solution que eux même yo voulait, solution que yo d'accord parce que le maintien ou la force de Ariel Henry jusqu'à présent n'est pas dépendre de société haïtienne, non. C'est parce que quelque part, il gagne soutien des États-Unis d'Amérique. Donc, moi-même, moi encore pessimiste, mais encore plus pessimiste avec dernière évolution Sayo, la sortie, je résume, la sortie de Daniel Foot qui fait des déclarations sans équivoque, donc lui montrer pas capable de gagner un accord qui est inclusif avec le premier ministre Ariel Henry. Commission pour chercher une solution haïtienne à la crise d'un présenté vendredi passé à la bureau suivi accord 30 d'août l'an. Dans Pétionville, comité suivi ça gagne 21 membres qui sortent dans la société civile à cas politique. Bureau suivi accord 30 d'août l'an gagne diverses missions tant coup diffuser et puis faire promotion accord 30 d'août l'an dans l'idée pour plus acteurs viennent renforcer accord ça et puis nommer conseil national transition à organe contrôle transition. Mandat bureau ça a fini après installation tout organe cap constitué transition. En côté déclaration, Jacques Ted syndic yon nan mam biwa qui était dans micro Jean-Wilner Sever. Donc, n'a dit n'a dit article 4 qui nan annexe 1 accord là. Il dit le bureau de suivi est responsable de veiller au respect des dispositions de l'accord concernant l'installation des organes de la transition. Il doit notamment petit a définir les procédures de mise en application de l'accord, critères de choix, feuilles de route, diffusion et la promotion de l'accord au fin d'obtenir la plus large adhésion possible et le soutien de la population. Petit B, procéder à la formation et à l'installation du Conseil national de transition et de l'organe de contrôle de la transition. Petit C, négocier et organiser avec le comité représentatif des acteurs de la société civile et des partis politiques qui interdisent de l'accord, la passation de pouvoir avec le gouvernement en place. Petit D, assurer le secrétariat technique de la coordination du Conseil national de transition, sans voix délibérative. Petit E, observer et commenter le processus électoral pour la désignation du ou de la présidente, du président ou de la présidente de transition et du ou, de, ou du chef de gouvernement ou de la chef de gouvernement. La commission de recherche d'une solution haïtienne à la crise arrête en concertation avec les organisations et secteurs concernés la composition du bureau de suivi, ce qui a été déjà fait. Et l'on démarche vraiment démocratique que nous pensons que nous devons participer les réunions sont faites. Nous avons idée, nous avons écho de comment ça passe. Les fonctions du bureau de suivi prennent fin avec l'installation tous les organes de la transition.
Ernst Mathieu, représentant secteur politique, a appelé dans le travail une unité, dans le tout acteur, dans l'idée pour arriver à atterrir à la commission. Il y a déjà un plan d'action, il a écrit différents secteurs dans la société civile, politique et diaspora pour être capable de procéder à la désignation de la Conseil national transition. Ernst Mathieu, est dans le micro Radio Mega. Le bureau civil a entré en fonction le 20 septembre. Nous avons le bureau civil a gagné quatre composants. Il y a une commission, il y a une secteur dans la société civile là qui n'est pas dans la commission, il y a une secteur politique là et il y a une secteur populaire avec les organisations paysannes. Il faut que nous joignions une unité, et une unité de vision, une unité d'orientation stratégique, même temps nous, pour mener le travail qui correspond à mandat du groupe civil. Après ça, nous établissons plan d'action du haut suivi avec calendrier pour mettre en œuvre action. Qui sont du haut suivi organisé? L'organisation du haut suivi, parce que du haut suivi a gagné 21 membres, 13 membres commission, 3 membres secteur politique qui représentent le secteur politique là, 3 membres qui représentent la société civile qui passe dans la commission et 2 membres qui représentent l'organisation. Gagné secrétaire général RDNPA, Eric Jean-Baptiste, qui continue de plaider en faveur en fusion 3 accords pour jouer une graine alternative. Une démarche qui a porté non un gros consensus historique. L'idée RDNPA encourage acteurs à mettre ranking sous côté, primer plutôt intérêt paysan, mettre intérêt personnel sous côté tout pour capable jouer une solution cap dans intérêt tout paysan. Malgré plusieurs acteurs politiques qui ont participé dans la rencontre, ça, Eric Jean-Baptiste démenti, Eric Jean-Baptiste qui persuade des gagnants commission qui était mettée sous pied pour continuer discussion sur une possibilité unifiée à Koyo. Joseph Lambert, Evans Paul, Capé, Edmond Suplice Bozil, c'est quelqu'un parmi acteurs qui était doué faire partie commission ça, d'après l'idée RDNPA Eric Jean-Baptiste, qui critiquait comportement certains acteurs politiques qui a dit qu'il n'y a pas jamais qu'un bé parolio. En côté Eric Jean-Baptiste. Nous-mêmes dans RDNP, mais ça nous ouais, mais comment nous ouais que situation capable d'échanger. Nous te expliquerons que nous pour le grand compromis historique national. Le grand compromis historique national, c'est qui ça? C'est garder comment les trois accords qui étaient protocole d'entente national là. Que nous-mêmes, RDNP, nous signons et qui est en application à 50%, parce que c'est lui-même qui paye PM Ariel pour certaines légitimités, mais on a 50% de croquer en l'air. Qui c'est accord Montana qui a des bons magas là-dedans, mais nous avons deux gros points de désaccord ensemble avec lui. C'est formule pour nommer qui est président avec durée qui est de transition. Hein. Qui c'est gouvernance apaisée PM Ariel là que nous avons des désaccords ensemble avec lui. Nous disons que et nous pensons, nous suggérer, nous croyons à travail pour que ces trois accords capables de fusionner ensemble. Non, mais si c'est que autant de désaccords, ça, Eric Jean-Baptiste, c'est comment fusionner yo? Si ADN a autant de d'accord avec Ariel, accord en septembre, accord Montana, comment va fusionner au et Blaise, le Wapli et les trois accords, premier ça qui peut intéresser vous, c'est qui maximum côté que nous d'accord. Et il y a un pile côté que nous d'accord. Maintenant, il y a côté que nous avons des accords, il faut que nous soyons capables de ne pas oublier que maintenant le grand compromis historique national. Il faut que nous soyons capables de des compromis qui permettent que ou perdre du mot sous n'importe là, ou perdre du mot sous n'importe où, on a marché contre ensemble avec l'autre. Secrétaire général RDNP Eric Jean-Baptiste pour explication sur parole qui fait quoi te dit hémisphère mais que li paré pour gain prochaine élection yo à cause li gain l'argent ici en milat gain plusieurs acteurs politiques qui t'en rencontre ça qui dénoncé parole ça dans radio. Eric Jean-Baptiste préciser l'étape expliquer étranger yo pays sous risque explosion à cause misère grand goût insécurité malheureusement si là qui gain l'argent qui gain couleur même Jacques li qui pourra subir son masse peuple en côté Eric Jean-Baptiste toujours dans micro Blaise Peter. Vous songez cette fameuse phrase, la religion c'est l'opium du peuple. Vous voyez cette fameuse phrase, vous voyez? Oui, oui. Et puis, les phrases à prendre pour contre lui, et lui qui avait dit, ça avait dit. Mais les gens qui ont lu, il y a lu, il y a oué qui ça, et Marx, et t'as parlé, leur dit, la religion c'est l'opium du peuple. Nous-mêmes, nous avons expliqué par les étrangers, que nous te disons déjà,
gagne 200 000 haïtiens qui va le prendre en mer. Il y a 300 000 qui ne même pas plus qui peuvent le passer en bas fil sous frontière. Et malheureusement, nous voyons que nous avons raison. Et nous te disons, si nous ne pas prendre le taureau par les cornes, et bien journée aujourd'hui, nous risquons pour nous venir au Rwanda. Et je vais ajouter, moi-même Éric Jean-Baptiste qui a défendu la population hein, dans toute composante li. Secrétaire général RDNP a critiqué la déclaration Elena Lim dans les Nations Unies côté elle fixé élection en Haïti dans l'année 2022. L'idée RDNP a croé autorité au tédoué des persona non grata par rapport avec situation ça. Éric Jean-Baptiste qui est même dit là. L'idée RDNP a croé autorité au tédoué déclaré persona non grata diplomate onisienne qui déjà fait plaisir déclaration choc dans le pays. Éric Jean-Baptiste prône sans délai organisation élection d'un pays d'ici mois d'août 2022. Une façon pour renouveler personnel politique là qui a vint attaquer problème insécurité, misère gango et la trier. Citoyens engagés pour une sortie crise présente officiellement proposition sorti crisio vendredi passé hein président c'est Zoclan qui s'est ancien député Léo Ganan qui c'est Jean Wilson Hippolyte fait qu'on est dans proposition ça a gagné exécutif qui gagne deux têtes côté a gagné équipe présidentielle qui gagne trois moun gouvernement ça a dirigé transition ça pendant seulement 12 mois en côté ancien député Léo Ganan Jean Wilson Hippolyte amico Alex Gauthier. C'est Soc qui te travaille pendant plus passé deux mois pour arriver à coucher une proposition pour permettre pays nous commencer à recamper parce que Haïti qui était déjà connaît un pile problème à vivre une calamité sans pareil depuis date 7 juillet 2021 côté force fait noir assassiné président Jovenel Moïse la Kaili. Qui donc chapeau bas pour tout membre et sympathisant ces socs qui t'a dépensé en pile énergie pour arriver à coucher proposition ça. N'a pas salué en pile secteur pour nous pas dire tout représentant dans ces socs là tant coup défenseur Douamoun, parti politique, la jeunesse, diaspora, handicapé, organisation femmes, vaudouisants, protestants, catholiques et latriers. D'autres fois, le exécutif deux têtes qui a gagné un conseil national présidentiel. Dans le conseil là, a gagné un représentant présidence là, un représentant Sénat République là, et un représentant dans la classe politique là. Ce bon parle pasteur Thomas Lebudler, la guerre fait qu'on est document ça, c'est toi quoi qui gagne déjà eu fusionné, qui baille une vraie proposition. Pasteur Thomas l'explique, tu fais choix ça bien avant, il m'espère américain, tu es rentré dans le pays. L'information là, en avance là, côté que gagne Fondation Alma Cœur à Cœur Haïti, le même qui fait distribution là, plusieurs kits scolaires, bah, diverses et timoun dans diverses zones dans le pays là. Côté, yo distribué là, bah, kit bah, 200 timoun, yo distribué sac l'école, cahier, plume, crayon et instruments géométriques.